Michi. Eh bien, salut, comment ça va? Vous allez bien? Ouais. Alors, je vous avais promis, hein, elle est venue, elle est là. Hein. Elle s'appelle Georgia. Vous la connaissez, hein, de toute façon. Hein. Vous aviez apprécié la dernière fois qu'elle était venue, et en fait, elle va nous parler de plein de trucs ce soir. Elle sort un livre, elle va faire un enfant. Enfin, non, je dis n'importe quoi. Non, non, elle sort un livre, voilà. Donc, et puis, puis c'est intéressant de savoir où elle en est au niveau de son affaire, qui était quand même une affaire assez incroyable. On va voir où est-ce qu'elle en est, on va suivre un petit peu tout ça, et puis on va décortiquer un peu l'actualité ensemble. Voilà. Donc, bah écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus. Hein. Je sais que vous êtes déjà très, très, très énervé. Ah, on va faire venir avec la musique. Ah, on est con, qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas se refaire. Georgia, Georgia. Ah, tu veux me faire striker la vidéo sur YouTube, on n'a pas le Ah droit. oui, non, mais là, non, ça va pas. Ah non, les droits d'auteur, mince. Comment vas-tu, Ouais, ça va, j'ai bien aimé ton introduction, si je puis dire. Oui, effectivement, tu as un livre, mais tu n'as pas encore de. Désolé. Ah. Non, bah, c'est rien, c'est rien. Mon livre, il est déjà sorti, hein. Il est Oui, je déjà sais. sorti. Ah Donc, bah, bonsoir, hein. heureusement que tu as de l'humour parce que j'ai pas toujours un humour qui est qui, voilà, un humour qui Oh est bah, moi, ça me fait rire et je pense qu'il y a pas mal de gens qui t'adorent pour ça. Donc, y en a c'est qu'au aussi moins, on beaucoup rigole avec toi. il y en a beaucoup qui me détestent aussi, hein, faut le savoir. Oui, mais bon, on peut pas faire l'unanimité, hein. Vaut mieux ne pas laisser indifférent, hein. Vaut mieux faire envie Oui. que pitié, comme on Non, mais dit. il y a des gens, par exemple, j'aurais dit la même chose à certaines personnes, ils auraient été capables de m'attendre à la sortie pour m'en mettre une. Ça arrive. S'il y a des gens Des qui. invités comme ça? Non, des invités, non, mais il y a des gens qui sont susceptibles. Tu sais, moi, j'ai fait de Ah la bah scène oui. pendant 30 ans, donc des conneries au micro, si tu veux, j'en ai pas dit une seule. Et donc, c'est vrai que j'ai risqué ma peau des fois. Parce que je dis souvent des trucs avec des gitans dans la salle ou avec des mecs de la mafia. Tu vois, je ne savais pas qu'ils étaient armés. J'ai sorti des trucs quand même qui m'ont mis en danger plus d'une fois, y compris le patron du bar où je travaillais. J'ai failli me faire M'étonne virer. pas. Non, non, mais c'est vrai. C'est moi, hein, ça. Hein. Je veux dire, les mecs le savent. Hein. D'ailleurs, il y avait même les musiciens, ils en avaient marre à la fin. Ils disaient, attends, tu fais chier, on ne sait pas si on va rentrer vivant ce soir. Avec des Serbes, une fois, j'avais joué avec des Serbes. Les patrons étaient Serbes en pleine guerre, tu sais, en pleine. Tu te rappelles la guerre où on. Ah oh bah Ouais, oui. Oh, la j'étais Serbie. petite, mais... Ouais, tu devais être petite. La guerre contre la Serbie, j'avais sorti un truc sur Milosevic en pleine chanson. Et un truc, mais pas méchant, mais genre Milosevic qui s'en prend plein les miches, je ne sais plus ce que j'avais dit. Et après, les mecs, ils m'attendaient avec les flingues à la sortie. Et comment tu t'en es tiré? Et je m'en suis tiré, qu'ils m'ont dit, En courant très vite. je dis pas du tout, c'était pour déconner, j'ai même pas réfléchi, machin. Et ils m'ont dit, ah ouais, t'es pas contre les Serbes? J'ai dit, mais non, pourquoi? Ils m'ont dit, alors viens avec nous boire un coup, on va voir si c'est vrai. Et j'ai dû les suivre. J'ai dû les suivre en boîte. Et on a torché 4 bouteilles de whisky jusqu'à 6 h du matin. Je voulais C'est bon, voir tu les as convaincus apparemment. de toute façon, où ils me butent à la fin, autant mourir bourré. Hein. Oui, Et en ils gros, sont non, moins non, venir comme ça. ils m'ont bien aimé. Mais c'était non, mais attends, mais je te jure que j'ai eu des épisodes. Je pourrais écrire un bouquin si moi d'ailleurs. Hein. Bah, tu devrais, hein. Tu m'inviteras sur ta chaîne, hein. Il n'y a pas de raison. Bon, ça ne s'intéresse personne, ces histoires De Serbe. Georgia, est-ce qu'on dit Pouliken, Poulikan ou Pouliquin? Non, Pouliquen. Voilà. Pouliquen à la rigueur, mais certainement pas Poulican. Hein. Ça fait oiseau. Parce que l'autre fois, on s'est engueulé là-dessus, on a failli se battre encore. Ouais, bah non, mais bon, c'est Pouliquen. Quinquin, quinquin. Ah, le petit quinquin, voilà. D'accord, ok. Donc c'est d'origine bretonne, bien sûr. Voilà, c'est pas basque, c'est pas corse. C'est Donc bien tu vas, breton. ce soir, on va parler de l'information un petit peu. Bien Alors, sûr. après, il n'y a pas des masses de trucs depuis hier soir, mais quand même. Et puis je vais te demander ce que tu penses de certaines choses. Et puis on va arriver sur Stéphane, on va arriver sur Ouais, bien sûr. truc. En plus, il y a par hasard, et encore une fois, des thèses par rapport à la famille suisse, tu sais, qui s'est suicidée, enfin, qui serait tombée du balcon peu de temps après Stéphane. Oui, tout à Apparemment, fait, oui, j'ai vu ça, oui. Il y aurait un voilà. lien? Il n'y aurait pas un lien, mais justement, je suis juste tombé dessus là. Regarde, tu vas voir, c'est la dernière nouvelle que j'ai partagée tout à l'heure. Je vais la partager de suite. Voilà.
Et en fait, voilà, ils en parlent dans Sud-Ouest. Donc, la mort d'une famille française en Suisse, et on est sur la thèse d'un suicide collectif qui reste privilégié. Donc, visiblement, quand vous allez en Suisse, le premier truc que vous avez à faire, c'est de vous balancer par le balcon. Et, un suicide collectif, ouais, tiens, c'est marrant ça. Et ils évoquent pas Stéphane, évidemment. Non, non. Visiblement, que vous soyez tout seul ou vous soyez cinq, septième étage, hein, les cinq membres de la même famille auraient sauté en même temps du balcon. Je sais pas. Oui, bien sûr, c'est pratique. C'est quelque chose auquel on pense immédiatement à faire, évidemment. Voilà, tous les enfants. Voilà, bien sûr, ouais, c'est, bien sûr. Les enfants, ils ont dû se dire, mes parents sont trop cons, ils ont raison, j'y vais en premier. Paf, ils se sont jetés, puis les parents, ils ont fait, putain, mais ils sont cons nos gosses, finalement, on y va aussi. Ben, je sais pas. Non, non, ça ressemble à une mort rituelle, les grands classiques des satanistes, ça. Hein, quand voilà. Tu fais des vols planés comme ça, c'est en général, c'est leur façon de régler leur compte, non ? C'est peut-être des Chinois, par solidarité avec la Chine, ils se sont jetés aussi. Bien sûr. Mais ça étonne personne, je suppose que dans l'article, ils ne sont même pas étonnés, quoi. Ils t'annoncent ça tranquillou. Alors, il y a un survivant, le fils de la famille, il avait 15 ans. Il est toujours hospitalisé et toujours soigné pour plusieurs fractures après s'être jeté dans le vide d'une hauteur de 7 étages. Mais il n'a actuellement aucun souvenir de la journée du drame. Vaut mieux pas qu'il en ait, à mon avis, puisque tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais les investigations policières sont terminées. Pour eux, c'est un suicide. Pour eux, c'est monnaie courante en Suisse. Les gens arrivent, ils se jettent. C'est normal. C'est rituel en Suisse. Non, je ne sais pas. Il va falloir s'y intéresser de plus près à tout ça, quand même. Bah oui, alors donc du coup, c'est vrai, tu m'as dit, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Stéphane, donc bah, ça tombe bien, ça nous lance sur le sujet. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter sur le dossier ? Déjà, moi je vais être assez franche là-dessus, hein, je crois absolument pas au suicide, pas du tout même. Bien qu'on ait dit qu'il était dans un état dépressif, etc., ça, je sais pas comment il est arrivé en Suisse d'ailleurs. Il est allé comment en Suisse? Par quel moyen? En avion? Alors, écoute, moi, pour les gens qui savent par quoi je suis passé par le même genre d'état. Et quand on a envie de se suicider, on prend pas l'avion. Hein. On a même pas la force de faire ça. On a à peine la force de. Si on veut se suicider, en général, et ça c'est un grand classique, on le fait soit chez soi, soit à un endroit où vraiment où on se sent proche de cet endroit, mais on prend pas l'avion pour aller se suicider en Suisse, hein, et chez des amis en plus, par-dessus le marché, pour les mettre dans la merde en plus. C'était pas du tout le genre de Stéphane. Et je te dis, quand on est dans cet état-là où on est, ça y est, on a passé le cap du point de non-retour, on n'a pas la force de faire un voyage. C'est complètement hallucinant de penser ça. C'est pas du tout ça. Alors je sais qu'il avait fait des tentatives. Mais alors, il faut bien faire la différence entre une tentative et une vraie volonté de suicide. C'est-à-dire que la tentative, pour moi, c'est une pulsion de vie, c'est-à-dire c'est un appel au secours. Et quand tu fais une tentative, en général, tu préviens quelqu'un, peut-être sa compagne, etc. C'est pour être sauvé, hein, en réalité. C'est un acte de détresse. Par contre, le suicide, la vraie intention suicidaire, c'est une pulsion de mort. Et là, je veux dire, quelqu'un qui veut suicider, il y va, quoi. C'est terminé. Je veux dire, il a passé le point de non-retour. Et c'est certainement pas au terme d'un voyage en allant en Suisse, etc. Il avait même des rendez-vous derrière à Paris, etc. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui allait se suicider, quoi. Pas du tout. C'est complètement incohérent. Incohérent. Sauf avoir eu un choc épouvantable. Il y a des gens qui se défenestrent sur un choc ou un truc comme ça. Mais enfin, il n'y a pas du tout matière à ce qu'on entend, à ce qu'il ait eu un choc tel qu'il se soit comme défenestré ou un truc comme ça. Moi, je comprends pas. C'est pas cohérent. Tu connais personne qui se suicide en allant en Suisse, quoi. Enfin, si cette famille. Excuse-moi, mais c'est du bourre noir. Mais c'est pas vrai. On va pas à l'étranger pour se suicider, quoi. Il y a suffisamment de moyens. C'est pas. Non, mais là où le point sur lequel je te rejoins, c'est on va pas chez un pote pour aller mieux et on se jette pas le premier jour où on arrive de chez lui. C'est ça le truc. Ça ne correspond pas du tout à Stéphane. Je suis désolé, mais ça ne lui correspond pas. Non. Mais je te dis, c'est pas quelque chose qu'on fait, quoi. Ce qui est étrange, d'ailleurs, c'est que même Pierre Jovanovitch, il a dit que c'était quelqu'un de très bien éduqué. C'était pas le genre d'aller chez quelqu'un pour se suicider chez lui. Et puis après, deux mois après, il a refait un truc où il a dit bon, ben, Stéphane, il faut arrêter de s'imaginer, il s'est suicidé, puis c'est tout. Il faut savoir ce que tu dis, Pierrot, parce que
Mais c'est bizarre, ça. D'ailleurs, tu as même dit que ceux qui disaient qu'il était ruiné avaient tort, parce que je me suis senti visé, parce que moi-même, j'avais dit qu'il avait eu des, commencé à avoir un petit peu des problèmes financiers, mais ce qui n'était pas tout à fait exact, puisqu'il était propriétaire de son appart, il n'était pas à la rue du tout, et puis il avait des projets avec Dieudo et machin, puis il avait, voilà. Mais je sais qu'il n'était pas, il roulait, il n'était plus aussi aisé qu'avant au niveau financier, mais ce n'était pas la catastrophe. Donc, la théorie de « je vais me suicider parce que j'ai plus une thune », ça ne tient pas debout. J'arrive chez un pote, j'y vais 3 semaines, ça ne tient pas debout, j'arrive, je me flingue, ça ne tient pas debout. Bah non, il n'aurait pas eu la force. De la part du gars chez qui s'est suicidé, le fameux Mermet, qui m'en a d'ailleurs mis plein la gueule, hein, simplement parce que je pense que quelqu'un l'a poussé. J'ai jamais dit que c'était lui qui l'avait poussé. Hein. Il m'en a mis plein la tronche, ce qui est un comportement plus que louche. Je vois pourquoi. D'un coup, il s'énerve après moi, je ne comprends pas ce que je lui ai fait. En disant des conneries sur ma gueule, en racontant à des tas d'amis autour de lui que Stéphane, en réalité, n'était pas mon pote, qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne pouvait pas me blairer, alors que son... Ridicule. Alors que son propre fils m'a dit qu'il parlait de moi en tant que membre de la famille. Toi comme aussi, un frère, bien sûr. Voilà. Donc, bon, et tu étais pas longtemps avant chez lui, non? Tu étais parti en voyage chez lui, non? Moi, j'y étais en septembre, fin septembre, début octobre. Ouais. Fin septembre. Tu étais resté combien de temps chez lui? On est resté 15 jours ensemble. 15 jours? Bon, ben voilà, c'est tout, quoi. Ça... Quelques temps avant, quoi. Donc, ça prouve que tout ça, ce qu'il dit, c'est ce Mermet-là, c'est du pipeau, quoi. Oui, c'est plus que du pipeau. Et c'est ça qui me. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui tombe par rond. Non, c'est pas clair, ouais. Ce mec est mytho, total. Il raconte que des conneries et visiblement, c'est quelqu'un de dérangé là-dedans. Donc, quelqu'un qui ment à ce moment-là, c'est quelqu'un qui, pour moi déjà, me paraît plus que louche. Quoi. Voilà. Après, je ne l'accuse de rien, je ne dis rien, je ne porte pas d'accusation, bien sûr, mais c'est le genre de mec qui peut laisser la porte entrouverte. Oui. Et qui, enfin, qui sait qu'il a influencé Stéphane pour quitter la Turquie et aller se jeter dans la gueule du loup, j'allais dire. Hein. Pas se jeter de l'étage, mais enfin, qui sait qu'il a influencé pour aller là-bas, quoi. Sinon, Mermet, je ne sais pas comment. Je peux pas dire. Apparemment, d'après ce que dit Mermet, le fameux Mermet en question, il avait deux galas à faire qui étaient très bien payés, apparemment très bien payés. Donc, tu vois, il est allé en plus pour gagner du pognon. Donc, c'est incohérent. Complètement. Donc, c'est incohérent. Après, encore une fois, hein, Georgia, on ne saura jamais. Hein, on ne saura jamais la vérité. Mais tu vois, sur le plan terrestre, non, elle ne saura pas. Non. Et sur un autre plan, oui. J'ai eu Christine de Viejoncourt au téléphone pendant 30 minutes. On a parlé de ça. Et elle m'a dit c'est leur méthode. C'est toujours du cinquième étage. C'est toujours signé cinquième étage. Ah ouais? C'est ce qu'elle m'a dit. Bon. Ça, je ne savais pas. Par contre, c'est leur méthode. Ça, je sais que c'est leur méthode. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, cinquième étage, je ne savais pas. Alors justement, elle m'a dit, moi je ne connais pas Stéphane, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fait, est-ce que pour quelqu'un lui en veuille. Je lui ai dit, il est rentré en franc-maçonnerie, il est arrivé au 30e degré, il a écrit un bouquin pour dénoncer ce que c'était. Il a trahi. Et il en est sorti. Elle m'a dit, ah oui, d'accord, il fallait me le dire. Tout de suite, j'aurais compris. Elle m'a dit, oui, c'est leur méthode. Point, d'accord. Bon. Point, bah, c'est, ouais. Pour moi, à faire classer, hein. Voilà, c'est tout. Point. Moi, j'ai aucun doute là-dessus non plus, hein. De toute façon, il avait un contrat sur sa tête par rapport à ça, forcément. Forcément. Je ne sais pas s'il y en a qui survivent à ça, je ne pense pas. Quoi. Visiblement pas. Hein. Bah ouais. Quand tu vois, moi, le déchaînement de violence que j'ai eu, en n'étant pas rentré dans la franc-maçonnerie, mais en les ayant dénoncés depuis l'extérieur, déjà le déchaînement de violence contre moi, alors j'imagine, Stéphane, quoi, c'est. Leur but, et au moins on me l'avait dit, ils vont jusqu'au bout, ils te détruisent jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du bout du bout. Quoi. C'est, ils ne s'arrêtent pas, même si toi, t'as des, tu peux comment dire, céder en quelque sorte, ils te détruiront jusqu'au bout. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Bah, ils lui ont sucré ses royalties, saisi les royalties. Donc, déjà, ils ne touchaient plus rien, même sur ses propres œuvres. Derrière, ils avaient même fait une perquisition chez sa mère pour essayer de voir s'ils ne pouvaient pas grappiller quelques trucs pour payer la LICRA et le CRIF qui étaient en procès contre lui. Donc, il avait des peines de prison sur le cul, il avait tout ça. Derrière, il était interdit de jouer dans toutes les salles de spectacle du monde entier. Et tous les autres artistes étaient sous la menace d'avoir leur carrière ruinée s'ils se mettaient à faire des duos ou des trios avec lui. C'est pour le savoir. C'est hallucinant. La puissance qu'ils ont. Ouais, voilà, c'est ça. La puissance. Ouais.
C'est ce que j'ai toujours dit, jamais sous-estimer le deep state. Jamais, 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 jamais. C'est une grave erreur. Même Donald Trump, il a sous-estimé le deep state, hein, même si la fraude a été évidente. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a tout qui sort, là. Ça n'empêche pas que c'est toujours l'autre qui est là, hein, à sa place. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour moi, c'est pas. Enfin, je vais encore mettre certains en colère, mais pour moi, c'est pas Trump qui est aux commandes. Hein. C'est pas les militaires qui sont aux commandes non plus. Hein. Bien sûr. Enfin, moi, je suis pas dans les thèses de la. Comment ils appellent ça, l'alliance ou je sais pas quoi. Non. Bah, il y en a qui y croient, mais j'y crois pas moi. Ceux qui sont aux commandes, ils sont à Davos là, tranquille. Ben ouais, ça me paraît évident quoi. De décider. Il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de révélations grâce, je pense, au mandat de Trump, mais il n'est plus aux commandes. Non. Est-ce qu'il peut le revenir peut-être, y revenir peut-être mais... S'il revient, ça ne sera pas par la voie démocratique. S'il revient, c'est parce que le Deep State considère qu'ils ont encore une carte à jouer avec lui. Mais sinon, ils vont le buter. Ils n'auront aucun scrupule à buter Trump. Aucun. Si c'est vraiment quelqu'un qui dérange, ils le buteront. Voilà, point. Moi, c'est comme ça que je le vois. S'il est au pouvoir, ils l'ont fait avec Kennedy, hein, de toute façon. Ils sont capables de le faire. Hein. Ils l'ont prouvé. Est-ce que tu as entendu, d'ailleurs, on va couper sur YouTube, excusez-nous, les YouTubiens, vous êtes 166 en plus. C'est le chiffre. Non, mais vous allez venir sur des lives. Il y en a qui m'ont dit, il n'y a pas le lien pour des lives. Si, il est dans le descriptif. On va couper sur YouTube, on va finir, on va continuer cette discussion. Mais je vais te demander ce que tu penses de Marine Le Pen et la façon dont elle s'est couchée, si je puis dire, pendant ses deuxièmes tours. Parce qu'il y a des allégations comme quoi elle aurait touché 300 millions d'euros de la part d'un... Ouais, j'ai entendu ça. Pour, même pas pour suivre, c'est-à-dire parce que par rapport à la fraude, parce qu'il y a une fraude aussi qui a l'air absolument hallucinante. Je ne sais pas si ce que tu en penses. Donc, on va couper sur YouTube tout de suite, les amis. On se retrouve sur des lives. Hein. Voilà, et on va...